Dinti Fonoui, vous venez de recevoir le prix Impact économique pour le projet Trimaran. Vous êtes ingénieur Supélec et vous êtes docteur en électronique et télécommunications. Alors, vous travaillez depuis 2001 chez Orange Labs. Votre projet consiste à préparer l'arrivée de la 5G prévue pour 2020. Si on résume l'enjeu de vos recherches, quel est-il ? Donc, la 5G, c'est, pour Orange, c'est l'Internet du futur. Et ça permettra d'apporter plus que du haut débit dans les simples smartphones. Ça permettra de connecter les véhicules, les usines, les machines, les robots dans les usines, les instruments chirurgicaux. Il y aura beaucoup de services, beaucoup d'applications différentes. Et en fait, ça va générer une avalanche de trafic. En quantité d'objets connectés et en trafic généré, on va avoir un facteur 1000 par rapport à aujourd'hui. Et donc on imagine tout de suite que si on ne fait rien de spécial, on va avoir une dépense d'énergie associée à ce trafic qui va être totalement colossale. Or, les opérateurs, là au niveau mondial, ont déclaré en 2015, l'année dernière, nous écoulerons 1000 fois plus de trafic avec 2 fois moins d'énergie consommée dans le réseau. C'est un défi colossal. Et du coup, le projet Trimaran que j'ai dirigé de 2011 à 2014, son but c'était de faire une 5G verte et de travailler sur une technique candidate pour réduire la consommation d'énergie des réseaux. C'est la focalisation. Donc juste pour vous donner une idée du concept, aujourd'hui quand on téléphone, les antennes relais elles émettent dans toutes les directions. Donc ça permet de capter le signal et d'être couvert, en gros, quelle que soit notre position. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie qui est un peu dépensée inutilement, alors qu'avec la focalisation, on apporte l'énergie que là où c'est nécessaire. Et d'autant plus que cette énergie sera focalisée sur des objets en mouvement. Oui, et donc là, il y a un défi, parce que la focalisation, c'était connu depuis assez longtemps. Par contre, personne n'envisageait l'utiliser pour des véhicules qui se déplacent vite, comme des voitures ou des TGV. Le projet, il a fait en sorte que cette technique de focalisation, qui a un fort potentiel pour réduire la consommation des réseaux, on puisse l'étendre, l'exploiter, la diversifier pour tous les cas d'usage de la 5G. Alors, vous le dites souvent, vos recherches vont permettre de faire sauter des verrous techniques en matière de téléphonie. Oui, alors je vais vous donner un exemple d'une innovation qui connaît actuellement beaucoup de succès, puisqu'elle a été reconnue comme Most Promising Technical Approach for 5G au sein du plus gros projet de l'Europe sur la 5G qui avait commencé en 2012, le projet Métis. Donc, alors comment ça fonctionne la focalisation ? Donc votre smartphone, il peut envoyer un bip qui se propage dans le milieu. Et l'antenne relais, à partir de ce bip et de ses échos, apprend à connaître le milieu de propagation, même s'il est complexe, même s'il y a des rebonds, voilà, une physique complexe. Et à partir de cette information, l'antenne relais peut focaliser sur le smartphone pour réduire toutes les émissions inutiles. D'accord ? On voit tout de suite qu'il y a un délai entre le bip d'apprentissage et puis la focalisation. Et donc, il vaut mieux que ça ne bouge pas. Et donc, ce qui se passe, c'est si vous essayez de faire la même chose avec un véhicule connecté muni d'une antenne sur le toit, par exemple, on rate la cible. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de mettre une antenne en amont qui va envoyer le bip et une antenne sur la voiture ou le TGV et une antenne derrière qui va récupérer l'information. Donc, on comprend tout de suite que ça marche que lorsque la vitesse de déplacement coïncide avec l'écartement entre antennes et le délai entre apprentissage et focalisation. Donc ça, c'était la première version. On avait déjà réussi à beaucoup améliorer les performances pour le véhicule. Et après, au sein du projet européen Métis, on est allé encore plus loin en utilisant plusieurs bips et en les interpolant dans l'espace. Et on a réussi à obtenir une performance continue jusqu'à 300, voire plus de kilomètres heure, enfin le TGV. Donc, ce qui a été reconnu comme une innovation majeure. Donc ça, c'est un exemple de succès issu à l'origine de Trimaran. Alors, c'est un projet financé en grande partie par l'ANR entre 2011 et 2014 et à hauteur de plus d'1 million d'euros. L'ANR a été très précurseur sur ce projet. Alors aujourd'hui, où en est votre projet ? Il y a eu plusieurs innovations. Et plus d'une vingtaine de brevets. Donc on continue de les développer, de les promouvoir. Et pour ça, on fait,
Il y a plusieurs flux parallèles, je vais dire. Il y a une innovation, surtout pour les petits objets connectés, que nous continuons de développer via un nouveau projet ANR qui a commencé en janvier, avec comme nouveau partenaire Centrale Supélec, parce que c'est le plus gros contributeur mondial sur la technologie disruptive que nous étudions dans ce projet, qui est la modulation spatiale. Et aussi d'autres flux, donc là, carrément directement au niveau européen, donc dans les projets financés par l'Europe du programme, on appelle ça Horizon 2020, et sur la 5G, donc du partenariat public-privé 5G.